Salut tout le monde, c'est Estripsis et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 8 de notre Let's Play sur Halo 3 ODST et j'ai le soleil dans la gueule mais c'est pas grave, au moins vous me verrez bien. Donc je crois qu'on s'était arrêté là, ça fait 2 semaines que j'y ai pas joué, j'en sais rien. Et là, ma Xbox va exploser. Je sais pas mais elle fait un bruit, non, je vais virer un peu ça, elle fait un bruit mais monstrueux parce que j'ai pas installé les jeux, en fait j'ai désinstallé parce que j'avais Splinter Cell Blacklist à installer. Et là, avec mon portable, à mon avis, vous l'entendez bien comme il faut. Je suis navré, je peux pas faire autrement. Voilà, vraiment désolé. Moi, je l'entends un peu moins. Oh, le boucan qu'elle fait, quoi. Parce que j'ai un casque anti-bruit, donc ça va, quoi. Mais vous, vous devez l'entendre comme pas possible. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Je vais essayer de parler un maximum pour couvrir le son. J'essaierai de régler ça après au montage, mais à mon avis, c'est mort. Peut-être une dernière partie sur Halo 3 ODST. Je sais pas. Je sais plus s'il est très long ou pas. Allez, bah. Ils sont arrivés quand? Ils ont débarqué juste avant que je descende sous terre. Et tu as attendu tout ce temps pour me le dire. Oh, désolé, j'étais juste occupé à faire en sorte que ton copain qui pue n'explose pas en prenant une balle. Eddie Buck, tu penses toujours avec ton flingue. Tu n'as pas changé. Moi? Si on parlait de toi, avec tous tes secrets de l'ONI, tu n'as jamais pu dire oui ou non à un mec. Ça, c'est petit. Oh, tu l'as bien cherché. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Ah ouais? Eh ben, je suis là. Il faut qu'on bouge, vite! Tu étais trop occupé pour prévoir une sortie? J'ai volé un fantôme, oui. Merci, je l'ai caché dans le chantier naval plus loin. Mais il n'y a que 2 places. Alors ce truc va devoir s'asseoir sur tes genoux. L'ingénieur, il a disparu! Couvrez-moi! Et tenez la cadence. Un bon conseil, le bleu. T'es déjà tombé amoureux? Trouve-en une cassure. Très bon conseil. Bon, cela dit, nous allons. Je sais pas. Non, je crois qu'il faut couvrir le camion. Donc, on va monter à la place dans le Warthog. Je sais plus du tout combien de temps il reste dans le jeu, je m'en rappelle plus. Honnêtement, je suis vraiment en fou total. Sachant que j'entends pas grand chose du jeu et surtout le soleil vient de baisser donc vous me voyez peut-être un peu moins. Bon, c'est en fonction du temps. Elle est en train de dire quelque chose, Véronica, mais je l'entends pas là. Tant pis, de toute façon elle dit des conneries. Et elle est là. Sur ce, eh bien, moi je vais dans la route fermée et puis parce que c'était marqué closed. Et puis c'est tout. On peut faire quelque chose d'autre là? Je crois qu'il faut couvrir le camion. Peut-être que l'ingénieur va ouvrir la porte. De toute façon, j'ai un peu rien à faire honnêtement. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de conduire en fait. Et Buck s'occupe de détruire tout ça. Faut que je fasse quoi là? Ah ok. Ok, lac. Allez, on dérape. Avec LT, on dérape et on fait des trucs assez assez improbables. Hop. Ouais, allez, petit coup de roue là. Donc voilà, petite mission en Warthog, hein, parce qu'il en faut bien une. Qui ressemble pas mal à celle d'Halo 2 d'ailleurs. Merde, merde. Ah, intéressant. D'accord. Donc l'ingénieur les protège avec un bouclier. Mais pas nous. Espèce d'enfoiré. Bah. Attends, tu pourrais étendre un peu ton champ de bouclier là. Hein. Je trouve que c'est un peu égoïste quand même. Hein. Là, l'ingénieur, il a beau être gentil. C'est vraiment pas sympa de sa part. Hein. Parce que moi, je sens que je vais crever. Je sais pas pourquoi, je le sens. Avec le nombre de brutes qu'il y a là. Ah, il crevait. Ah, c'est ouvert. Honnêtement, je me souviens de la cinématique de fin. Mais alors la mission de fin, je n'en ai aucune idée. À mon avis, on n'en est pas loin parce qu'il n'y en a pas énormément de missions dans ce jeu. Si ça se trouve, c'est celle-là.
Je sais pas. Ça se trouve, c'est pas du tout celle-là. Le fait est que pour cette vidéo, je pense qu'on pourra. Alors, c'est comme pour la précédente, la batterie de la caméra, parce que je fais ça à la suite, va peut-être pas tenir. Du coup, il y a un moment où vous verrez, vous me verrez peut-être plus. Mais le fait est que je peux enregistrer une heure sans que ça coupe, mis à part ça, ce problème-là. Donc cette vidéo va durer sûrement plus longtemps que les autres. Donc, en tout cas, plus de 28 minutes, comme avant. Et donc, j'ai plus cette contrainte. Voilà, on va pouvoir peut-être terminer le jeu, quoi. Même si c'est pas cette mission-là, on pourra peut-être rusher un petit peu sur la prochaine. Parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus. Putain, la console va exploser. Oh là, des drones. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus, let's play, parce que mine de rien, rappelez-vous, hein, ça fait depuis le premier let's play sur Halo 1. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'on a commencé. Parce que bon, pour ceux qui savent pas, pour rappel, je m'étais fixé de faire tous les Halo. Du moins, d'abord tous les Halo principaux. Et là, on entame les Halo, les spin-offs. Et donc, il y a encore Reach à faire. Et Wars qu'on ne fera pas. Vraisemblablement. Normalement, on le fera pas. Parce que d'un point de vue ludique, je pense qu'il y a... Oula, putain! C'est un scarab? Ah non. C'était un fantôme, mais avec un truc à côté. Ça faisait scarab. Oula, putain, je vois que dalle. Je ne vois rien du tout. J'ai plus de vie, ça je le vois. Mais je vois vraiment plus rien. Le fait est que... Alors, excusez-moi, je plisse les yeux. Il y a le soleil qui me crame la gueule. On va essayer de récupérer Buck. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui? Buck. Buck, s'il te plaît, redescends. Non, mais bah, casse-toi. Alors, je te laisse ici. Allez, on s'en fout, on y va. Je sais pas ce qu'il fout là-haut, il a dû sauter. Il s'est pris pour Jackie Chan ou je sais pas, Altaïr ou un truc dans le genre. Ou un chimpanzé comme sa meuf. Ah, ils vont bien ensemble, hein, sa meuf. Véronica, elle faisait, je sais plus si vous vous rappelez, je sais plus dans quelle vidéo. Elle montait au-dessus de. Oh putain, ah oui, mais je vais même pas m'en sortir. Là. Ah, y a un Warthog là, y a un Warthog. Ah, je suis mort. Elle sautait au-dessus des espèces de caisses là. Je sais plus comment. Et du coup, elle faisait le chimpanzé, donc lui aussi apparemment. Et j'espère vraiment que vous entendez pas trop ce bruit de la console là. Ça me fout vraiment les boules parce que j'ai pas testé avant. Et ça se trouve, ça plombe complètement le son. Je sais pas. Sachant que Buck a pas vraisemblablement. Putain, mais j'ai plus de vie, je suis censé faire comment là? Oh là, c'est pas possible. Hein. C'est quoi les flèches là? Buck, ah, mais t'es là, Buck, allez, grimpe. Si l'autre il m'écrase pas. Voilà, là on s'entend là. Allez, let's go, on y va. Par contre, j'ai plus de vie, hein. Ça se change pas. Allez, un petit saut. Ah, mais je vais mourir là encore là. Putain, mais c'est pas possible quoi. Je suis censé la passer comment cette scène là? Je sais pas du tout comment je vais faire là. J'essaye de pas faire de blanc dans ce que je dis. Parce que le problème c'est qu'à chaque fois que je ferai un blanc, le seul son que vous allez entendre c'est le son qui bug. Hop, allez vite, grimpe. C'est pas ce quoi là. Allez, s'il te plaît. Crève pas, putain. Comment je vais faire? Comment je suis supposé faire avec si peu de vie là? Y a pas une trousse de soins quelque part là? Attendez, je vais chercher parce que là j'y arriverai pas là. Je sais pas du tout s'il y a une trousse de soins quelque part. Ça, c'est quoi ça? Voilà! Merci! Attendez, il suffit de demander en fait. Hein. Donc voilà, j'ai récupéré ma vie. Et maintenant, eh bien, on va se contenter de suivre le Schtroumpf là-bas. Là, je devrais pas avoir trop de problèmes. Ah, ça fait du bien d'avoir de la vie. Parce que c'est vrai que de base, sinon, c'est un peu compliqué là. Oula, ouais, c'est aussi compliqué hein, si jamais on est conducteur comme moi. Voilà. Si on se retourne toutes les deux secondes. Bon, tant que je crève pas, je m'en fous. Ok, j'ai toute ma vie, on peut continuer. Ah, il a un canon ghost. Ah bah ça, c'est pour moi, ça. Enfin, c'est pour Buck, mais bon, c'est pour moi aussi. Buck, s'il te plaît. Tu me dis qu'il a un canon ghost et après tu mènes pas ton cul pour monter dedans, quoi. C'est un peu débile de ta part. Bon, donc on est sur ce pont qui me fait quand même beaucoup penser au pont d'Halo 2. Je sais pas. Bah tiens, avec ce genre de descente là comme ça. Ça fait penser à O1 je crois. Je sais plus. Quand on a l'occasion de pouvoir choisir entre monter en bas et en haut.
Enfin, monter en bas et en haut. Non, on ne monte pas en bas, non. Mais entre descendre et monter plutôt. Enfin bon, vous avez compris si vous avez vu le let's play ou si vous avez fait le jeu. Et sinon, bah tant pis. Et donc, sinon, bah là, on attend notre ami. Notre ami. Dar. Pourquoi Dar? C'est Véronica plus. Plus l'ingénieur, ça fait Dar, non? Je crois pas. Bon, je sais pas. Je croyais que les insignes de l'ingénieur, c'était. C'était comment? Virgile. Alors, ça me perturbe un peu de dire ingénieur parce que je sors de Blacklist. Et Splinter Cell Blacklist. Et les méchants dedans, c'est les ingénieurs. Donc, c'est... en disant le mot, je me disais, attends, pourquoi je l'appelle comme ça déjà? Puis en fait, oui. C'est juste. C'est pour ça. Donc. Là, on arrive. Je sais plus où. Bah, là, vu que la ville est au fond, à mon avis, ah, il y a un scarab à gauche. Je pense qu'à mon avis, on devrait pas mettre trop longtemps. Ah, il y a un scorpion au milieu là. Ah, mais il est cassé. C'est mort. Hop. Oula, il y a une apparition aussi. Ok, excusez-moi, on vient de m'appeler sur mon portable et du coup, ça a coupé l'enregistrement. Aïe, aïe, aïe. En plus, c'était un faux numéro, alors j'espère que ça va pas. Elle va pas récidiver. Sinon, bah, ça va recouper une deuxième fois. Bref, donc là, on avance tranquillement. Alors, sachant que j'ai aussi des gens qui sont rentrés chez moi, donc ça va faire du bruit. Et je suis désolé. Bon, le bruit de la Xbox, à mon avis, devrait couvrir le truc. Un peu de mal. Tiens, il y a un scorpion là. Voilà, magnifique. Elle fait vraiment un... comme si elle allait péter, quoi, sa visée. J'espère vraiment pas que je l'abîme là. Vous remarquez, la One arrive bientôt. Hein. Si, disons que si elle avait dû péter avant, elle l'aurait fait avant. Là voilà, elle va tenir jusqu'au bout. Donc, Buck, s'il te plaît, c'est pas que je t'attends, mais voilà, merci. Alors, maintenant qu'on a un scorpion, ça devrait être un peu plus pratique. Ça me semble bien être la mission finale, ça, quand même. Un déferlement d'ennemis avec un scorpion à la fin. Ça ne m'étonnerait pas. Ce serait tant mieux parce que c'est vrai que sinon ce let's play va durer quand même bien longtemps. Donc là on prend par en dessous parce qu'au moins on peut comme ça c'est un peu plus pratique. Bon écoutez, je sais pas trop, j'ai pas l'impression que le véhicule qu'on doit protéger soit en danger. Parce que bah, jusqu'à présent il m'a pas dit qu'il prenait des dégâts, donc bon. Par contre moi je prends des dégâts parce que là j'ai un peu mal. Hop, voilà. Là, regardez, je suis en feu, donc c'est pas forcément une bonne chose. Même si le scorpion, c'est quand même assez résistant, donc à mon avis, il devrait tenir le coup. Bouclier rechargé, quoi, d'accord. Ok. Putain, mais il y en a combien des salauds? Donc là, on arrive sur le côté gauche, droit, je sais pas. Il y a un Warthog par terre, on va le prendre. Parce que notre scorpion va très mal. Buck, où es-tu? Mais il est lent. C'est pas coordonné ça, Buck. Mais la taille de quoi? Là, il est en train de dire mater la taille de ce truc, mais je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être derrière là-bas, là, non? Je sais pas. Sachant que je vois rien, j'ai le soleil dans la figure là, donc ça va être un peu gênant. Bon, écoutez, il y a la musique qui est sympa, et nous, on essaye d'avancer dans les débris là. Je sais pas de quoi il parlait. Je pense qu'il parlait du croiseur qui est en haut là-bas, mais je suis pas sûr. Ou alors du fait que voilà tout ça soit vitrifié en bas là. Je sais pas. On verra bien. Enfin, on verra bien. Ça se trouve, on verra pas, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on le sait dans. Je pense que tout ça, c'est ce qu'on voit dans Halo 3. Donc, si on sort dans Halo 3, je pense qu'on comprend tout ça. Moi, comme bon, Halo 3, je l'ai fait en votre compagnie. Bah, il y a quoi? Il y a un mois, deux mois? Je sais plus. Je sais plus du tout quand j'ai terminé. Bon, bref, en tout cas. Je me souviens pas d'un truc immense. Ou alors il parlait de la ville de New Mombasa, tout simplement, qui est, c'est vrai qu'elle est assez immense. Et quand on s'en approche d'ailleurs, hein, on s'en approche petit à petit. Putain, le nombre de ghosts! Oh là 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 là. Si on meurt pas avec tout ça, c'est qu'on a vraiment de la chance. Écoutez, je fais des dérapages, j'essaye là, mais à mon avis, je perds de la vie quand même. Hein. Et hop. Putain, je suis bloqué. Là, il y a un ghost là-bas. Non, c'est bon, on l'a eu. Avec la musique qui se lance, c'est la musique, il me semble, de la fin d'Halo 3, celle-là. Un peu remixée pour l'occasion. Et là, on doit protéger.
notre ami à droite. Bon, je pense qu'on devrait pas tarder à terminer cette mission. J'espère. Parce que c'est pas que ça me... Hein, mais bon, ça fait un petit moment quand même que... Pour me répéter qu'on est sur Sol 3. Ah, vous, ODST, vous voyez que là, il est en train vraiment de vitrifier la planète. La ville, plutôt. Voilà, ça, j'avais oublié cette séquence. Ah, énorme. Donc là, il disait, Buck, c'est comme si on se retapait Reach. Parce que sur Reach, donc la planète Reach... Bah, pour ceux qui savent pas, je pense que bon, si vous m'avez suivi, vous le savez, parce que je l'ai dit. Sur Reach, eh bien, là... La planète s'est fait, a été prise d'assaut hein, par les Covenants, et donc c'est ce qui s'est passé sur Reach. Voilà, ils ont vitrifié totalement toute la planète, quoi. Et donc ils ont l'impression de revivre ça, même si eux ils l'ont pas vécu, je pense. À mon avis, c'était des gens un peu plus vieux qui l'ont vécu. Quoique non, hein, peut-être pas, parce que Johnson, il a vécu l'arrivée des Covenants, donc je pense qu'il y a moyen. C'est vrai que ça se passe pas énormément de temps en fait après Reach, ça. Hein. Finalement. Oula, il y a un Warthog en bon état. Putain, mais ça dure combien de temps ça là? J'ai l'impression que cette mission n'est pas prête de s'arrêter. Remarquez, on en était qu'à. Je sais pas du tout quand. Là j'ai 5 minutes, mais c'est parce que j'ai repris tout à l'heure. Donc je ne sais pas. Sachant que là j'ai pris un Warthog qui a pas de tourelle. Intelligent. Sachant que les Scarabs ils ont toujours la même animation quand ils montent sur ce genre de truc. Ouais, bon, moi je fais n'importe quoi là. En même temps, je vois pas grand chose, hein, honnêtement. Hop, et c'est tout. Non, c'est bien, c'est pas bien. Là, tout va bien, d'accord. Ah, parce qu'ils se sont fait tirer dessus par le Scarab, ok. On rend pas tout. Là. Hop, on va se soigner. Ah, le camion poubelle est HS, ok. Bah, pourquoi ils sont encore dedans alors? Un bâtiment au bord de la route. J'écoute ce qu'ils disent, mais je vois pas trop où est ce fameux bâtiment. Bon, bah, écoutez, on bourrine, on va bien voir. Il n'y a aucun ennemi, à mon avis, on est proche de la fin. Et la musique vient de s'arrêter en plus. Je pense qu'on y est. Ah non, d'accord, ok, faut aller là-bas. Bon, d'accord. Quoi qu'il faut aller là-bas ou pas, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'ennemis. Ouais, en fait, faut bien prod Buck avec nous, quoi. Cette larve là. Allez, monte. Monte. Merci. Et maintenant, on va suivre le camion poubelle. Ah, d'accord, on va prendre la sortie là, j'imagine. Et on va aller à droite. Tu quittes le véhicule? Ah, oui, bah moi aussi, je suis obligé. Hop, on va essayer d'avancer rapidement. Ah, c'est vraiment... cette impression de grandeur, elle est assez énorme. Les bâtiments sont vraiment, vraiment très très grands. Je ne me souviens plus de cette séquence. Sachant qu'il y a des ennemis, je pense que la mission n'est pas encore terminée. Mais bon, on devrait voir, hein, je sais pas. On va bien voir. Sachant que donc là, on n'est plus... de toute façon, à mon avis, le jeu devrait se terminer puisqu'on n'est plus dans le monde ouvert... Il n'y a plus possibilité d'avoir le monde ouvert maintenant que on a déjà, si vous voulez, on est parti quoi, justement de la zone où on était. Donc là, maintenant, on est dans New Mombasa, mais c'est dans le gros New Mombasa quoi, donc dans les gros immeubles et tout. Et à savoir qu'en fait, Dar là, c'est Veronica. Bon, je sais pas pourquoi c'est ses initiales, mais c'est peut-être son nom de famille. Je ne sais pas. Point de contrôle, d'accord. Je sais pas du tout où je vais, mais ça doit être par là. Il y a un Marines mort par terre et pas grand chose d'autre. Un sniper, tiens. Allez, pour changer. Ennemi fantôme. Ok, d'accord. Donc là, petite zone à couvrir, j'imagine. Ah, ça va un peu mieux. La lumière s'est un peu estompée. Hop. Bah écoutez, allez. Hein. On va se les faire. Wow. Ah, d'accord. J'ai cru qu'il y avait qu'une balle dedans. Enfin, il y avait qu'une balle dedans, mais j'ai cru que c'était un peu à la Gears, un sniper qui a qu'une balle, tout simplement. Alors, lui, on va essayer de se le faire. Ah, mais il a sa bulle, là. Il était obligé de la mettre, quoi.
Allez, sors, s'il te plaît. Merci. Oh là là. Le sniper, c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Hein. Mais bon, on va essayer de se les faire un peu comme ça, parce qu'on est en hauteur, alors autant tenter. Ah, mais c'est un bouclier. Oh là là là. Mais ils en mettent combien, oh eux, ils sont dedans, j'ai l'impression. Vous savez quoi? Je vais prendre un pompe. Voilà. Et on va sauter. Oula, c'était peut-être pas une bonne idée, ça, oui. Et on va rentrer à l'intérieur. Ça se trouve, faut pas les combattre. Je sais pas. Parce que là, c'est une espèce de salle de serveur, j'ai l'impression. Non, c'est des soins. Ok. Bon, bah, je sais pas trop pourquoi on est là. Mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'on essaye de se barrer. Ah si, si, je crois qu'on va retrouver le fantôme, là. On va essayer de rechercher le fantôme qu'on a, que Buck avait planqué. Et donc, apparemment, bah, faut tuer tout le monde, sachant que là, je me suis pris une bastos qui fait mal. Aïe, 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 il a épuisé une grenade, là. Oui, 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 ça fait mal. Bon, on nous a mis plein de soins derrière, honnêtement, ça devrait le faire. Hop, alors, j'ai peut-être un peu l'air crispé sur la vidéo, c'est normal, c'est parce que je... Bah, je suis obligé de me mettre comme ça, sinon le... Vous entendez trop les touches en fait de la manette. Donc je préfère que vous les entendiez dans une moindre mesure. Toi tu meurs, voilà. Et je vais prendre son canon. Comme ça c'est fait. On aura quelques balles dedans, ça va. Donc on a repoussé l'assaut et maintenant je ne sais pas. Faut faire quoi là? On avance, il a dit. Objectif s'il vous plaît. Non, il n'y a pas d'objectif, ok. Oh mais vas-y, mais on est censé faire quelque chose là ou quoi là? Je vais pas rester 10 ans. Escorter l'atout hors de la ville. Bah... Ouais. Je veux bien moi, mais comment? Mais attendez. Je vais tenter de passer à droite. Parce que là il y a un autre fantôme, ou alors c'est le même, je sais pas. Mais à mon avis, je pense qu'ils me suivent pas de toute façon là. Non, non, ils restent là-bas. Bon bah je vais repousser l'assaut, hein, on verra bien, j'espère que c'est pas infini. Voilà, c'est fait, on va se faire aussi, tiens toi, hop. Sachant qu'il y a un mec qui avait un pompe là. Non c'était pas un pompe, c'était, voilà, c'était une carabine. Je suis mort directement, sachant qu'on a des hunters apparemment dans le coin. Vraisemblablement. Donc on va troquer notre mitraillette contre le canon plutôt, et on va garder le pompe. Ça pourrait être pratique. Et donc le fantôme qui arrive. Donc on en est à, je sais pas, je pense qu'on doit en être à une vingtaine de minutes là. Donc j'espère que ça va se terminer assez rapidement. Alors, bon écoutez, on va essayer de se les faire direct. Hop, cette grenade là. Voilà. Ça devrait aller. Non, je recharge pas avec la bonne touche là. Oh putain, j'ai plus de vie. Ah, mais pourquoi là? J'ai perdu toute ma vie directe quoi. Aïe 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 aïe. Là, si je survis, c'est un miracle. Ah, j'ai le bouclier, magnifique. Allez, soin, merci. C'est un miracle. Et donc, on va se faire les ennemis restants. C'est vrai que je devrais pas avancer parce que j'ai un bouclier derrière qui me protège. Mais bon, c'est un peu plus rapide quoi. Allez, Hunter. Hop, lui c'est bon. Et lui c'est bon. Voilà. Qui c'est qui sont arrivés au bon moment? Il y a qui? Une personne là? Je ne sais pas. Je sais pas de qui il parle. Bon, cela dit. Que faut-il faire là? Non, vas-y, me dis pas qu'il y a encore un autre assaut là. Je pense. Bah, ils vont revenir. Oui, mais je fais quoi moi? Ok, qu'est-ce qui se passe là? Honnêtement, je sais pas trop ce qui est en train de se passer là. Je pense que je peux rien faire d'autre que patienter et tenter de me faire les ennemis. Ouais, là, il y a des apparitions qui arrivent, il y a des mecs en jetpack. Ça va être chaud tout ça là. Oulala! Oui. Hop, excusez-moi, je vais essayer de pas parler beaucoup là, de me concentrer un peu. On a un gars, enfin, on en a même plein juste là. Bon, les petites grenades, hein, là, ça mange pas de pain. Hop, moi je rentre parce que là, il y a trop de monsieur là. Je vais aller me voilà, choper le bouclier, comme ça, c'est un peu plus safe. Là-haut,
Bon, à lui, on va quand même aller se le faire parce qu'il va m'énerver. S'il est tout seul, après c'est bon. Hop. Il est pas mort. Putain. Hop. Oh putain. Oh là, j'ai eu chaud là. Bouclier s'il vous plaît. Ça c'est pas mal hein, d'avoir le bouclier de l'ingénieur comme ça. Hop, hein. Il y a vraiment vraiment beaucoup de monde là. Hein. Je vois rien en plus. Hop. Voilà. Donc là maintenant je pense qu'on a eu tous les jetpacks. Et le reste on va se le faire comme ça. Voilà. Où est l'autre hein. Oh putain mais il y en a plein et... Ça va être chaud bouillant là. Ici. Et voilà. Non, pas voilà. Ah, j'ai plus de balles en plus de ça là. Bon, on va utiliser la dernière. Ah, je compte 8, tiens, voilà. Nickel. Oh putain. Eh, mais il est vraiment, vraiment très résistant. Lui. Mais il est invincible ou quoi là? Ah, je l'ai eu. Magnifique. La grenade l'a eu pile au bon moment. Donc on va prendre un petit needler pour terminer. Ah bah voilà, nos potes arrivent. Je pense que c'est la fin du jeu. Je me garderai de confirmer ça, mais à mon avis c'est la fin du jeu. Puisque bon, il y a le fantôme qui arrive. À moins qu'il se prenne une bastos, ça m'étonnerait. J'essaye d'écouter ce qu'ils disent là. Bon, à mon avis, il devait dire quelque chose de marrant. Mais j'ai pas entendu. Ok. Dans cette ville, je suis bien d'accord là pour le coup. Bon, on va suivre Buck qui a l'air de savoir où aller. Voilà, c'est par là. Et puis on va prendre ce petit fantôme. J'espère. Il devrait y avoir une cinématique à mon avis. Ce truc est sûr. Tant qu'il se fait pas toucher. Allez, bon sang, bouge! Ah, et merde! Y'a pas à dire. C'était une putain de nuit. Ça va aller. On en a bavé pour ça? Donne-lui des soins, tu veux? Il est important. Il sait des choses. Eh, chef. C'est pas de l'extraterrestre que je parlais. Mickey? Je vais t'envoyer un copilote très spécial. Oh, pas ça! Ça n'était pas un de ces trucs ici! Ça mord pas. Et contrairement à toi, il sait quoi dire aux destroyers pour qu'ils nous lâchent. Je crois qu'ils sont occupés à autre chose. On dirait qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais et toi? Et nous deux alors? Gagne cette guerre. Et repose-moi cette question. Thank you.
Putain, what? Voilà, donc c'est fini. cette séquence, c'est vraiment, cette cinématique est vraiment sublime. Nous explique un petit peu comment ça s'est passé, donc ce qu'on voit dans le 3. Et sur l'Xbox qui va complètement exploser, eh bien, je vais vous dire merci à tous pour m'avoir suivi sur ce let's play de l'O3 DST. Donc, il y a une cinématique post-générique. Je vais pas vous la montrer parce que je suppose qu'elle est mise en légendaire, donc je la téléchargerai sur internet. Et puis voilà. Donc sur ce, bah écoutez, on va pas rester plus longtemps parce que là, la Xbox, je pense qu'il faut qu'elle se calme un petit peu. Et donc sur ce, bah, je vous dis merci à tous. Et à la prochaine. Allez, salut. Lord Hood may have given you clearance, but it was my op and it's my interrogation. We only captured one. It's very delicate. Don't worry. I know what the aliens like. It has access to the Covenant Battle.net? Limited, but yes. We're not entirely sure how it manages a remote connection to the... What? Whoa, stand down, stand down! Sergeant Major, please. It's extremely flammable. The brutes. The bastards who put bombs on your buddies and killed millions of my people. They're digging a mighty big hole. You're gonna tell me exactly what they're looking for. And then... You're gonna help me stop them.